Un match U14 a fini en déchaînement de violence à Massy. Ce samedi, le match entre Massy et l'INAS Montlhéry a tourné au vinaigre. La rencontre s'est déroulée sans encombre, score final 2-1 pour l'INAS Montlhéry, mais une fois le match terminé, des supporters de Massy ont attaqué le minibus de l'équipe gagnante. Une dizaine de jeunes sont impliqués. On était prévenus, on s'attendait à une ambiance hostile, c'était chaud dans les tribunes, mais il n'y a pas eu d'échauffourée. Ce derby essonnien entre le premier et le troisième de la poule était sous haute surveillance. La police et la BAC avaient été appelées pour prévenir tout débordement. On était dans notre vestiaire quand notre bus a été cassé. Le club de Massy n'y est pour rien, ce sont des jeunes du quartier. C'est vraiment triste, cela donne une mauvaise image du foot essonien. Le club de l'INAS Montlhéry a porté plainte.